monter les voitures pour jouer à les voitures. Tu veux jouer aux voitures? Ouais. Où tu veux te mettre? Là, tu veux renverser tout mon sac. Ah non, je peux pas renverser tout ton sac ici. Non, s'il te plaît, s'il te plaît. Tout renverser tout mon sac. S'il te plaît. Ah, alors là, on va dans un endroit. J'ai vu une chambre. On va vous montrer où on va séjourner. Maman, oui. Maman, j'ai vu deux chambres en photo sur une affiche. On va séjourner dans un endroit que j'ai réservé exprès pour les enfants. On va être en immersion dans l'univers des pirates. Il y a une tête de mort. Mais tout va être en pirate. C'est ça. Trop déjà, bien. Regarde les motifs. On a déjà l'ambiance. Ah bah regardez, il y a des pirates qui nous attendent là. Ils m'ont pas demandé de retour. On est arrivé en vacances. Ça y est. Bonjour. Regarde. Oh, eux, ils ont déjà trouvé le trésor, hein? Quoi? Eux, ils ont déjà trouvé... Oh là là là! Oui, mais regarde, il a découvert le trésor, hein? Incroyable! Et là, on n'est que à la réception. Bon, voilà, je vous montre notre chambre en immersion chez les pirates. T'as mangé le papier? On a eu le petit trésor pour les enfants. Regardez les petites pièces en chocolat. Le parchemin avec un mot. Tiens, tiens. C'est juste incroyable. Je vous jure, c'est incroyable. Et je vais vous montrer bien sûr tout l'hôtel. Mais là, on est en immersion. La chambre, elle est ouf. On a même la musique pirate. On a le jacuzzi sur la terrasse. Du coup, Vito, il dort là avec maman. Et là, c'est Luna. J'en connais une qui a déjà pioché dans le frigo, fais voir. Là, vous avez un vrai mini bar. Un vrai de vrai. Moi, je suis en train de préparer mon café. Le vrai frigo. Ça, c'est le vrai frigo. Comme on aime. Oh, merci. Oh, petit chat. Elle m'a dit, je suis trop contente de l'endroit où tu nous amènes, maman. T'es la meilleure maman du monde entier. Elle est trop mignonne. En fait, c'est ça, ils sont toujours reconnaissants. Ils sont jamais blasés de tous les endroits que je fais avec eux. Ils sont toujours trop contents. Lui, il est en train de regarder ce qu'il fait. C'est lui qui a fait tout ça. Il est incroyable. Pour ceux qui ont suivi mes stories, regardez ce qui m'attendait à la porte de mon hôtel. Les écouteurs pour le DVD. Du coup, je vous montre un peu. Ils ont vraiment reproduit un bateau qui a été attaqué pendant la guerre. Donc, c'est vraiment... quand je vous dis, on est en immersion. C'est vraiment un truc de fou. C'est génial. Vous voyez, ils ont fait vraiment les coups d'épée et tout. Allez, je suis là. On peut y aller. Et là, la pirate est précieuse. Maman, on regarde. Mais non. Mais non. Non, c'est pas vrai. C'est un vrai, mais il est enfermé. Donc là, c'est l'hôtel pirate. Et je sais pas si on va par la bonne direction, mais... Et là-bas, il y a le parc aquatique.
On a fait une petite pause snack. On a les gaufres, les crêpes. Elle est où ta crêpe? Les glaces. En fait, vous avez un endroit ici, fast food Baie des Pirates. Et voilà, vous pouvez prendre à boire, à manger. Là, on a des nachos. En fait, on a dans le train, on a vraiment rien mangé. On a rien mangé. Du coup, je sais qu'il est un peu tard, enfin presque 6 heures. Mais on prend le goûter maintenant. Et ce soir, on ira au restaurant. Et ce soir, au restaurant, il y a le spectacle des pirates. Je montrerai ça, mais en fait, tout le temps, il y a des spectacles genre de sirènes, de pirates. Trop cool. Écoutez-moi bien, celui qui n'est pas sage avec maman, je lui mets ça dans son lit. Ce soir. Ah ouais, bah comment tu vas le calculer? Ah, tu vas voir. Bonsoir. Le spectacle commence. Le vrai, le vrai. Le spectacle commence. Et ça nous croise bien pour l'instant. Et nous, on est à la table juste à côté. Donc, on va manger là. On va aller sur la planchette. Face au spectacle. Décidément, je suis retrouvé du bon idiot. Donc, tu me disais, toi, tu as une idée. Non? Toi, t'as une idée, Luna? C'est dommage. Oui, moi, j'ai une idée. Olé. Olé, cacahuète. Je lui avais dit de pas répondre. Je lui avais dit. Bon. Alors, c'est quoi ton idée, maintenant? Lui arracher des écailles? Eh, pas mal, ça. Allô, Ida? C'est quoi ton idée, Luna? Lui arracher des écailles. La souffrance, en soi. T'as pas d'idée, toi? Non, toi non plus. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire pleurer la sirène? Lui raconter une histoire triste, dis-lui. Vas-y. Il y en a encore plein. Alors, toi, tu voulais dire. On a pas réussi avec les cheveux. Mais oui, mais toi, tu me fais peur, toi. Toi, tu me fais très peur. Vas-y, dis. Arrête de faire des guillis. Les larmes de joie. Pareil, c'est les plus fortes. Vas-y, essaye. Pendant ce temps, nous avons d'autres idées. Là, oui. Ah, il arrive, vas-y. Lui raconter une histoire qui fait triste. Lui raconter une histoire qui fait triste. J'ai bien l'idée, mais vois-tu le problème? C'est que une histoire qui fait triste, j'ai fait pire à celle-là. Elles étaient 20 à la base, c'est la dernière. Et te doute bien de ce qui s'est passé avec les autres. Voilà. Ça marche pas? Une histoire triste, mais on a fait bien pire à celle-là qu'une histoire triste. Alors, ma belle! Tu pensais vraiment que j'allais te laisser prendre ma place comme ça? Hein? Tiens, ma chatte! Allez, t'as... Et baboum! Elle m'a chifflé! Elle m'a chifflé! Qu'est-ce que c'est que ce coucou? Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Du poison? Extrêmement dangereux, hein? Qui a voulu empoisonner son capitaine, hein? William. Pigouille, hein? Alors comme ça, tu as voulu empoisonner ton capitaine, espèce de putain. Oh, tu vas voir ce qu'il en fout de trahir Cornelius. Ah! 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 Il a fond pour ça. Pas d'affaire à pleurer sur ton navire.
Allez, on fait de l'acrobatie, vous voyez là. Il est caché. Tu le vois, il est caché, Luna. Où est-ce qu'il est passé, le miroir? Où est-ce qu'il est? Coucou! Oh non! Ah! 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 T'as raison, c'était lui le plus fort, t'avais raison. C'est pas lui le plus fort, c'est lui. C'est le capitaine. Capitaine. Oh, regarde, il est là. Non. Oh, ils vont venir ici se battre. Le capitaine, il a 6. Dis, c'est le capitaine le plus fort. Regardez la chaîne. Elle est où? Elle est là-bas. Elle chante le chant des sirènes. Chocolat, ça. Les coquins. Elle a découvert le trésor, donc elle a eu la pièce en chocolat. Tu vas tout manger ton assiette, attention, hein. T'as vu, elle surveille, hein.
Viens. Vas-y, je suis là. Elle est timide. Tu veux dire quelque chose? Elle aussi, elle a son trésor. Ah, mais c'est du pain. Mais non. Ah, mais non. C'est non. Des vraies pièces. Regarde, il a dit. Il le fait comme un grand. Oh, ouais, il le fait bien. Attends. Il est beau ton pain. Il a l'air très délicieux. Attention, tu vas le faire. Tu viens? T'as vu toi aussi, t'as le même trésor que le pirate. Que le capitaine. Il était sur le. Au revoir. Tu dis au revoir au pirate? Ah oui, c'est du pain. Effectivement, on l'a raté alors. Tant pis. Tant pis pour arrêter. Il a cru que c'était un vrai trésor. Je lance un défi, tu m'as regardé de travers. Il y a le pirate qui est venu. Luna l'a montré ça. Et elle a dit c'est ma mère la vraie pirate. Elle a dit elle a même une tête de mort sur les gougouttes. Et sur le doute à tout le monde. Il a dit je suis ravie de le savoir. Voilà, j'ai essayé de manger mon plat. Mes pâtes au pesto et au final, c'est eux qui mangent. Vous savez que c'est la glace Twister qui fait la langue bleue. Fais voir ta langue encore. Pas encore. Fais voir toi. Attends, c'est de la bouche. Cette glace, elle fait la langue bleue. On va au petit déjeuner avec mes petits pirates. Les vrais pirates, hein. Fais voir ton maillot. Eh oui. Allez, venez au petit déj, les pirates. Ah, les moussaillons. Je vais marcher qu'avec une chaussure. Pourquoi? Parce que j'ai mal au pied, tu te rappelles le bobo que je me suis fait dans la piscine. Ah oui, tu t'es fait un bobo. C'est vrai. Regarde. J'ai encore une, c'est très mal. Allez, mes amours, on va louper le petit déj. C'est pas vrai, on va là où les pirates ils étaient hier? C'est pas vrai. On est dans. Oh, attention, on est dans l'entre des pirates. Vous avez le thé, vous avez de quoi faire les tartines. La partie ici. Il est vraiment rempli le buffet. Il est trop bien. Et regardez. Bon, ils ont vu ça les enfants. Ils m'ont dit je veux ça. J'ai dit oui, bien sûr. Et le buffet du petit-déj, il est ouf. Et là, vous avez la partie salée. Vous pouvez faire les œufs, l'omelette. Vous pouvez vous faire plaisir. Elle s'en occupe bien pendant que je prépare mon déjeuner. Elle lui coupe ses fruits. Il a son bibi ici. Regardez la pièce dans laquelle on est. Elle est trop cool. On est vraiment comme dans un bateau. Et au fond, vous avez cette partie. Canon. On découvre du coup. Là, c'est pour les dîners. Ah ouais, t'as raison, regarde les filets de pêche. Eh ouais. Et là, on a vu sur tout le parc. Attends, mon amour. Regardez ça. Je suis la reine. Ah, c'est moi, un cadeau de là. Tu es la reine? Bon, on a fait la rivière encore 3 fois. Ils ont adoré. En vito? J'ai adoré la rivière. Qu'est-ce que t'as fait dans la rivière? J'ai aimé, mais moi j'ai eu froid. T'as, oh ouais, ma fille, elle est, c'est une petite frileuse. Elle a toujours froid, mon doudou. Mais franchement, il fait bon, ça fait du bien. Et ça fait du bien d'avoir froid. Les enfants, c'était comment la rivière? Cool. Comment c'était, Vito? Montre-moi. Et toi? Trop cool.
Voilà, on a fait aussi la piscine à vagues et là on est dans l'espace VIP. Donc vous voyez, il y a des lits comme ça et on est juste au-dessus de la piscine. Regardez. Et là, tout ça, là, on a fait la rivière. La rivière, en fait, elle fait tout le long comme ça. Vraiment, ce parc, il est trop bien. On s'amuse, hein? Là, il y a un petit jacuzzi. Oh là là, on entend les cigales. Trop bien, on entend les cigales. Un petit creux par ici. Un petit creux, ça mange des fruits. Les petits chats. C'est comment les vacances avec maman? Et toi, Vito? C'est maintenant l'apogée, mesdames. Hein? Vito, il s'éclate. Il a dit j'adore cette musique, mon amour. Il fait la gym, il fait l'aquagym, mon amour. Tu fais l'aquagym, mon amour? Tu fais la gym dans l'eau? Oui, il y a du sel. Tomate, ça sent trop bien.